Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette vidéo présentation du premier journal du bébé Koala. Voilà comment il se présente. Ici, j'ai mis une petite breloque avec écrit Love dessus, attachée avec une épingle en forme de calebasse. J'ai décidé de le fermer par une élastique, donc elle n'est pas encore bien raide, simplement pour pouvoir rajouter après, et là, elle va être bien tendue. Alors, je vous ai fait finalement le process, ce sera un process en musique, car beaucoup de choses sont similaires au premier, mais j'ai fait des petits changements, notamment donc cet élastique. Donc l'autre, c'était pour le journal bébé douce saison. Donc c'est aussi un album avec des spirales cachées, sauf que j'avais utilisé des spirales 3 quarts, donc la tranche était légèrement plus petite. Ici, je vous ai donné les mesures dans le vidéo process qui viendra, je pense, dès demain. Il y aura le process pour réaliser celui-ci avec les grandes lignes et les mesures que j'ai utilisées. Voilà, comme ça, si vous voulez faire exactement le même, vous avez quand même un tuto pour suivre. Donc là, j'ai mis de la tapisserie. Je trouvais que ça apportait du contraste à l'ensemble qui est assez neutre. Et j'ai donc mis une élastique aussi verte, maintenu par deux petits œillets métalliques, enfin des gros œillets métalliques 3/16. J'aurais pu aussi couper la page pour la décaler un petit peu, mais bon, personnellement, ça ne me dérange pas. C'est plus ou moins centré par rapport à ceci, mais c'est vrai que visuellement, ce n'est pas centré par rapport à l'album entier. Donc, comme j'ai dit, j'ai utilisé pour celui-ci une spirale. Alors ici, la spirale, c'est une spirale 1 pouce, donc c'est une assez grande spirale. Vous voyez qu'il y a quand même encore pas mal de place, mais c'est simplement qu'à force de rajouter des photos, ça va nous faire beaucoup d'épaisseur. Et il y a plus de pages aussi que dans le précédent. Ici, nous avons une pochette 3D pour pouvoir y glisser d'autres photos 10 par 15, qui se ferment avec une petite ficelle, donc pas besoin d'aimant ou autre. Le petit koala en 3D, un des koalas que je n'ai pas mis, c'était la découpe du koala entier sans contour. Je trouvais que c'était finalement suffisant et je ne voulais pas non plus trop d'épaisseur. Si vous voyez, c'est un papier ton sur ton, mais vous pouvez très bien, si vous préférez, utiliser un autre papier pour la pochette, pour la faire ressortir, notamment par exemple un verre, ou alors découper aussi dans la tapisserie. Je sais pas si on peut, je pense que oui, avec la silhouette ou la cricote, découper de la tapisserie, il suffit que le tapis colle bien, je pense que c'est faisable. Alors voici la première page. Alors vous avez déjà vu les fichiers, si ce n'est pas le cas, je vous mettrai en haut à droite la vidéo présentation des différentes pages. Donc, moi je les ai toutes mises. Donc, emplacement photo, ici, de quoi mettre du journaling. Je trouve que dans un album de bébé, quand ça retrace la première année, un enfant, un bébé évolue tellement vite que c'est bien aussi de mettre du journaling. Et ça fait aussi ensuite de très jolis souvenirs. Donc, parfois, il y a des petites intercalaires ici, mises comme ceci. Donc, c'est des cartes de journaling. J'ai aussi inséré, comme j'avais dit dans la vidéo présentation, des pochettes en plastique. Donc, j'ai juste mis un papier supplémentaire pour pouvoir les mettre dans l'album. Et si jamais on veut pouvoir les enlever et les mettre où on veut, il suffit de faire une fente de tous les côtés. Et par exemple, on pourrait aussi plastifier avec soit du plastique du recouvre-livre ou autre, plastifier les deux côtés avant de percer, comme ça au moins quand on tourne et quand on veut les enlever surtout, c'est plus solide. Donc on peut mettre des petites photos ici, le retour à la maison avec le petit koala dans le berceau, dans le lit à barreaux. Ici une page pour mettre une photo, écrire du journaling, faire n'importe quoi. Après, quand l'enfant a fait un an, peut-être faire le premier dessin, ou voilà, vous avez plusieurs possibilités pour des pages qui sont sans thème particulier. Il y a juste une illustration pour être coordonnée à l'ensemble des pages. Bien sûr, vous pouvez aussi, dans ce style d'album,
réaliser des pages blanches de manière à pouvoir compléter l'album en faisant des pochettes à souffler que vous insérez à l'intérieur. Voilà, il y a plein de possibilités, notamment les pochettes à souffler que j'ai aussi en boutique. J'aurais pu en mettre une, je n'ai pas pensé. Bon, pour le prochain, je ferai peut-être de la glisser à l'intérieur de manière à avoir une pochette supplémentaire pour pouvoir glisser d'autres photos. Si vous êtes comme moi, quand mes enfants sont nés, je faisais énormément de photos. Ici, je l'ai mis ici pour la date, la taille, le poids, par rapport à un mois. Parce que comme j'ai dit, l'enfant évolue tellement vite que j'en ai mis un ici. J'aurais pu le mettre en intercalé un à chaque fois. Donc, le faire recto verso quand il y avait les pages comme ceci. Mais rien ne nous empêche de l'ajouter ici. Vous voyez, là, j'en ai remis un par exemple. Ici, la pochette, j'avais dit, avec des toutes petites cartes. Donc, j'ai mis des cartes, un petit peu, toutes les cartes que j'avais, je les ai mises ici. Et après, on peut mettre des petits portraits pour compléter. Bien sûr, les cartes, vous pouvez aussi les mettre sur une page comme ceci. Vous la mettez en bas pour ne pas coller la photo, par exemple. Et vous glissez la photo au dos. Quand vous la collez de deux côtés, par exemple. 6 mois, 7 mois. Alors, pour celui-ci, au contraire des autres que j'avais fait jusqu'à maintenant, vous avez de 1 à 12 mois. Donc, vous pouvez mettre une photo de 1 à 12 mois. Et à chaque fois, j'aime, je n'aime pas. Et les moments inoubliables du mois. Je me suis retournée pour la première fois. Je me suis assise. J'ai tenu mon biberon tout seul, etc. Donc, ça, c'est mixte. Celui-ci, je trouve qu'il est assez mixte. Dans des couleurs assez neutres, assez pastelles. Le rituel du soir, donc je l'intercalais ici. Bien sûr, on peut choisir de mettre de 1 à 12 mois à suivre et toutes les thématiques à la fin ou au début. Vraiment, avec le numérique, c'est à vous de choisir. Vous pouvez vraiment moduler l'album selon vos envies, selon vos besoins. Et vous pouvez même utiliser ceci de manière à pouvoir enlever et remettre les pages. Le prochain, j'en ferai peut-être avec ceci. Ici, j'en ai mis un autre. Donc, on peut mettre des photos. Donc, on peut mettre soit une photo, une carte. Carte photo, de manière à avoir une carte de chaque côté. Les 10 mois. Bon, dans un thème assez automnal, j'avoue. Mais bon, c'était pour quand même que ce soit coordonné avec le reste. Avec pas seulement des petits pandas de partout. Alors ici, j'ai fait différemment. C'est ce que je vous avais dit aussi dans la présentation qu'on pouvait faire. Donc, il suffit de les réduire un petit peu, nos cartes, de manière à ce que ça puisse le cardstock corresponde à la hauteur de nos pages. Les premiers pas, une journée avec toi. Là, il y a beaucoup plus les thématiques que j'ai rejointes. J'ai rassemblé le tableau de croissance, les petites dents qui vont bien sûr, après c'est un an, on complète. De quoi mettre une photo, les premières fois, le premier anniversaire. Alors j'ai mis la date et l'âge, mais on se doute bien que l'âge c'est un an. Et on peut mettre la date pour rappeler la date anniversaire, la taille et le poids. Et ici on peut mettre encore du journaling. Si ceci ne suffit pas, par exemple. Et une page plus hivernale. Par exemple, mes premiers pas dans la neige, s'il y a de la neige par chez vous. Mes premières vacances à la neige en hiver. Le premier Noël. Et à la fin, une photo. Je n'ai rien mis ici, mais rien ne vous empêche, si vous souhaitez, de remettre une pochette comme ceci. Ou de faire une pochette plus grande avec le même papier ou un autre papier, par exemple. Ou utiliser un papier comme ceci avec une photo, une page sans thème particulier, c'est-à-dire juste photo ou comme je vous avais montré au début, celle où il n'y a pas l'emplacement photo, il n'y a pas le... Voilà, comme celle-ci, par exemple. Il y a le gris des trois côtés, mais vous pouvez les plier et voire même plier un petit peu plus en dedans pour avoir suffisamment, parce qu'il n'y a pas beaucoup de marge sur les côtés. Comme ça, vous avez de quoi faire une pochette.
en pliant de trois côtés, en faisant une petite encoche et le mettant ici. Donc ça vous fait encore plus d'éléments. Vous pouvez vraiment jouer avec les pages et les modeler selon vos envies. Ben voilà, j'espère que ce journal vous aura plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui est le process. Bye bye!